Émission, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir, la semaine a été marquée par cette nouvelle surprenante. On a eu du mal à le croire et pourtant, c'est vrai, Pénélope, Saddam Hussein posséderait 8% de la société Hachette. Oui, Maurice, quand on sait que la société Hachette finance en partie la 5, on peut en déduire que Saddam Hussein travaille sur la 5. Non. Si, si, Maurice. Si, si. Non, mais quand? Mais si, mais aux informations, pendant un moment, on voyait que lui, rappelez-vous. Ah, c'est ça, je me disais aussi, Saddam Hussein par-ci, Saddam Hussein par-là, c'est parce qu'il travaille sur la 5. Tout à fait, Maurice, comme vous exactement, quand vous travaillez sur Canal+, on ne voit que vous à l'édition. Ah non, Pénélope, non, c'est vous la fleur de cette édition. Oh. Ah si. Bon, écoutez, alors si je suis la fleur, vous en êtes la tige, d'accord, Maurice? Oh. Merci, Pénélope. Je vous en prie. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Michel Blanc en Israël en tournée promo pour Uranus qui vient de sortir là-bas. Michel, toujours zen face aux caméras israéliennes. Voici le baby-foot le plus perfectionné du monde, merveille de la technologie, mais les règles restent les mêmes. Fanny paye le pot. Dans notre série Régis est un con aujourd'hui, l'objet mystérieux de Régis, un indice, l'objet mystérieux peut se manger en salade. Lundi, on a signalé un deuxième cas de vache folle en France, Pénélope, et cette fois-ci en Ille-et-Vilaine. Oui, Maurice, on a observé une vache qui se posait la bouse sur la tête et qui se prenait pour Napoléon. Eh oui, une grande inquiétude donc pour les agriculteurs qui ont peur forcément de voir leur troupeau partir pour Sainte-Hélène. Oui, d'ailleurs, on a déjà vu deux vaches prendre le bateau, donc c'est inquiétant. Bien. L'édition, c'est s'amuser, bien sûr, mais c'est aussi et surtout s'instruire. La semaine dernière, nous avons appris un nouveau nom, celui du ministre de l'Intérieur, qui est... Sylvie Vartan. Philippe Marchand, Pénélope, pas Sylvie Vartan. J'étais pas loin. Presque, remarquez, c'est vrai. Eh bien, cette semaine, découvrons ensemble un nouveau nom, aujourd'hui, Hubert Védrine. Il n'a pas fait médicaments avant, lui? Non. Hubert Védrine, c'est le nouveau porte-parole de l'Élysée, c'est un petit peu le nouveau Max Gallo. Ah, voilà. Alors, est-ce que quand on est porte-parole de l'Élysée, on a totalement son libre arbitre ou est-ce qu'on est téléguidé par le gouvernement? C'est un petit peu la question qu'on a posée à Hubert Védrine, écoutez sa réponse. Pas du tout. J'ai mon libre arbitre. Je dis qu'est-ce que je veux. Voilà, donc antigrippine au micro de notre confrère. Hubert Védrine. Je serai pour la prochaine fois. Et puis, c'était dans la nuit de lundi à mardi à Hollywood. Pas d'Oscar pour Depardieu. Non, le seul Français connu des Américains reste donc notre Maurice Chevalier National. Ouais. Pas lui, mais l'autre. Attends. Ça va? Moi aussi, je suis connu aux États-Unis. J'ai deux potes à Boston, un pote à Philadelphie, alors, et un pote à Toronto. Tête. Mardi. Mardi, un travail de titan a commencé cette semaine à la Bibliothèque nationale. Il faut répertorier, réparer, inventorier les millions de livres qui y sont conservés en vue de leur déménagement. Oui, tout à fait, Pénélope. Je crois que nous avons un correspondant en direct de la Bibliothèque nationale. Effectivement, Maurice, au beau milieu de tous ces livres magnifiques qui font rêver, il nous attend pour nous parler. Eh bien, retrouvons notre correspondant Dominique Farrugia en direct live de la Bibliothèque nationale. Dominique? Oui, Maurice. Bonjour, Pénélope. Eh bien, je suis au cœur de ce temple merveilleux de... Oh, vos gueules, là, je téléphone au boulot, là. Oh. Tu bois un coup, Dominique? Ouais, la même chose. Deux pastis. Ici, c'est le calme et la sérénité qui règne sur des ouvrages qui forcent le respect. C'est un monde de rêve. On est tellement bien qu'on n'a pas du tout envie d'aller au café en face. Merci, Dominique, pour cet émouvant reportage. Après l'émission, vous passerez dans mon bureau. Pourquoi y a un pot? Mercredi, Chris Waddle, véritable fossoyeur du Milan AC, ne se souvenait plus de rien après son match. C'est quand il est sorti de sa douche et qu'il a hurlé « Hé les gars, ce soir on va leur foutre la branlée au Milanais » que Bernard Tapie a décidé de l'emmener à l'hôpital. Bonne nouvelle pour les handicapés qui pourront désormais participer à la roue de la fortune. C'est le célèbre pianiste de jazz handicapé Michel Petrucciani qui a inauguré cette nouvelle formule. Il a demandé à être posé à même la roue et qu'on la fasse tourner. Il était ravi, a-t-il déclaré, c'était la première fois qu'il faisait du tourniquet. Merci Pénélope. On se retrouve après ça. Ça. Mercredi, fait divers tragique à l'euromarché de Sartrouville dans les Yvelines. La mort d'un jeune beurre allume la violence. Ce jeune beurre a été abattu par un vigile qui a déclaré « Il s'agit d'une tragique méprise, j'ai pris ce beurre pour un arabe ». Oui, et c'est idiot puisqu'un jeune beurre est un Français sale, mais un Français tout de même. Oui, Maurice. Alors, jeune beurre, avant de sortir de chez vous, par pitié, mettez-vous un petit coup de savonnette, ça ne coûte rien. Oui, et ça peut sauver la vie. Exactement, savonnette mouillée égale vie sauvée, Maurice. Oui, euromarché, une nouvelle race de magasins. Jeudi.
Jeudi, alors des images incroyables. On a reçu des très très belles images d'une force inouïe, une espèce de merveille de la nature. Exactement. C'est peut-être pas la peine d'en dire plus. Non, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Regardez, on voit bien. Regardez les ongles, ils sont super courts. C'est incroyable. Vous avez vu comment il a coupé ses ongles super courts, le mec? Regarde, attends, on va le revoir, regardez. C'est insensé, je veux dire, comment on peut couper ses ongles aussi courts, regardez. Des images troublantes. À mon avis, il les a pas coupés, les a rognés. Oui, sûrement. Bientôt Pâques. Oui. Oui. C'est Dom, ça va? Oui, ça va, mais l'édition n'est pas finie, là, Dominique. Tu m'en veux pour tout à l'heure? Non, je t'en veux pas. Bon, tu sais, en ce moment, j'ai des emmerdes, alors bon, faut pas m'en vouloir, quoi. Tu m'en veux pas? Non, je t'en veux pas. Hein, on est copains tous les deux? Oui. Hein, on est copains, moi, là. Maurice. Ouais, Maurice. Bon, tu bosses, là? C'est l'édition, là, Dominique. Je te dérange? Non, mais enfin... Passe-moi, Pénélope. Je suis pas là. Et non, elle est pas là. Bon. Dis, attends, quitte pas, parce que là, il y a le patron qui veut te dire un truc sur une idée qu'il a eue. Allô? Ouais, c'est mec. Allô, bien. Voilà. Merci, Dominique. Vendredi. Vendredi, entre la sortie de son nouveau parfum et l'inauguration d'une énième boîte de nuit, Régine, la plus célèbre de nos stars parisiennes, ne dort que 3 heures par nuit. Ça se voit un peu, hein? Oui, ça se voit. Le samedi. Samedi, une petite déclaration de Laurent Fignon. Je peux tout plaquer sur un coup de tête, et notamment ma mèche. Et puis, sport toujours, Yannick Noah va sortir le 10 avril un disque. Ah, ça fait du bien de rire dans l'actualité. C'est vrai. L'image de la semaine. Eh bien... L'image de la semaine, c'est les images splendides des nouvelles prisons françaises. Un bel exemple, regardez. Un maniaque sexuel recyclé en jardinier. Il va beaucoup mieux, bien sûr, encore quelques petites séquelles de son ancien vice, mais bon. Non, mais il a l'air d'aller mieux. Hein. Oui, il va mieux, beaucoup. Regardez, 2 boutons d'or qui s'enculent, ça t'amuse. Bien. Et ça fait de mal à personne. Merci, Pénélope, merci. C'était vraiment l'image de la semaine. Prochaine édition, prochaine émission, bonsoir.